Salut les gars, dans cette vidéo je vais vous montrer l'after patch de la duplication en solo. Je pense que c'est Obès Giraffe qui a trouvé l'after patch, je suis pas sûr. Ok, là vous allez prendre la voiture que vous voulez dupliquer. Vous allez la coller contre le poteau là, juste derrière le centre d'opération mobile. Vérifiez bien que vous avez en haut à gauche la flèche de droite pour le centre d'opération mobile et le rond bleu derrière le mock. Ok. Là, vous allez vous téléporter avec l'aide d'un ami qui est dans un autre mode de visée jusqu'à votre appartement de l'Eclipse Tower où il vous faut un penthouse. Ok, à l'intérieur du penthouse, il vous faut l'émission qui soit débloquée. Ok. Là, je vais vous montrer la manipulation. Là, vous allez ouvrir votre pavé tactile, faire style, choisir n'importe lequel. Vous allez avoir un écran noir. Là, vous allez appuyer sur option. Dès que vous allez appuyer sur option, vous allez relâcher option. Vous allez avoir le menu start qui s'ouvre. Vous le refermez le plus vite possible et vous spammez la flèche de droite. Une fois arrivé là, sur cet écran, vous allez simplement choisir un style de l'appartement. Là, vous voyez, j'ai le point d'interrogation des choix. Je appuie sur X. Là, je retourne en arrière. C'est le même glitch qu'avant. Hein. C'est juste le... au niveau du tableau que ça change. Là vous allez vous téléporter soit à l'arène, à la boîte de nuit ou au casino où vous avez des RH8 ou des Fat Joe à l'intérieur. Bon, peut-être que je parle un peu vite pour la manipulation, alors je mettrai juste l'étape dans la description. Ok, l'étape du tableau. Là vous allez dans votre arène ou dans votre boîte de nuit ou au casino, vous entrez dans la voiture, la RH8 ou le Fat Joe, vous faites R2. Ça va vous faire ressortir à pied. Une fois que vous êtes ressorti à pied, vous vous re-téléportez jusqu'au bunker. Ok, avec un ami qui est dans un autre mode de visée. Ou voilà, quelqu'un qui est dans un autre mode de visée. Une fois que vous êtes arrivé au bunker, vous allez simplement à entrer dans le véhicule. Vous allez faire flèche de droite et X. Tout simplement. Ok, si vous voulez refaire une duplication, pour ce glitch, il faut obligatoirement refaire une nouvelle session. Après chaque duplication. Ok les gars, bah, pensez bien à regarder dans la description pour la manip. Ok, amusez-vous bien, bon week-end, bye.